C'est ouais, c'est ce que Diplo, tu peux nous en parler. Pas de problème, Diplo, c'est exactement, enfin exactement, c'est comme au PGG mais en mieux. Simplement. T'as beaucoup plus de stats, beaucoup plus d'infos. Globalement la même chose, ça traque aussi les gens qui sont. Ça te met directement le nom des joueurs pro slash streamer. T'as pas mal de stats sur toi-même, en mode tes stats de synergie, tes stats de pick, t'as ton CS à 15, ton CS diff à 15, ton gold diff à 15, t'as pourcentage damage, t'as plein de stats intéressantes pour regarder un peu plus d'informations sur toi et globalement ça fait exactement comme au PGG sinon. En mieux. Ok, il n'y aura pas de setup pour Nunu. La data sur le délire ou item le support, start un blade et pas item support ou c'est du trolling? J'ai pas de data particulière à te donner, mais oui, ça se fait de start un item Doran. De start Doran sur l'item sup. Enfin, sur le support et après de. Sur ton premier back, prends un item sup. Ça te permet vraiment. En fait, l'idée c'est vraiment d'être fort pour jouer la lane. C'est-à-dire que si tu veux faire ça, il faut que tu joues la lane, tu vois. Push, push, push. C'est auto-attaque hein, par contre. Hein. Ils vont encore freeze cette wave. Ouais, cassez vous. Bon, on peut l'amener sous tour cette wave ou. Oh, je vais pas le tuer. Eh, good job. J'ai bien fait de prendre les bots gratuits parce que j'ai 6 KP à 5 minutes de jeu. Ce qui n'existe pas hein, normalement, on va être honnête. Du coup, j'ai mes bots à 7 minutes 30. Sa mère, on va prendre une pink aussi parce que je pense que ouais, il va être plutôt vénère. Ce bon vieux triomphe sauve des culs. Je ne joue pas avec triomphe donc. Non. Qu'est-ce qu'ils foutent? Nice. Flash. Ok, on a tué la solo kill top, bien joué. Je pense que va, il va. Ouais, voilà. Et ouais, mais faut l'arrêter, frère. Il a vraiment pété son crâne lui hein. Nice. Ouais, je peux quasiment one tap lieu, non? Il manque un peu quand même. Il y a un pingback, ça m'a fait me cancel, mais j'aurais pu step in et tuer Pyke. Et
Et ouais, la compo est pas non plus free parce qu'en fait ils ont un spell que je peux pas. Que je ne peux rien y faire qui est. Le Hervail. La récupérer ça. Oh, la récupérer le Arcana fait chier. Nice. Oh, les dégâts. J'aurais dû me douter qu'il allait me flash in. Nice, Kodrek. Oula. Putain. Quart de seconde d'inattention. On va win quand même ce fight normalement, mais. Ils à son E. On va peut-être pas win ce fight, non. Pas eu pack malheureusement avec moi. Dead. Il a ghost aussi, quel con. Il est mort, Nunu. Pas mal, mon arrow. Il partira pas, ma bro. Désolé de te l'annoncer. Par endroit, ils ont pas de crit. Certes, ils ont pas de crit. Enfin, un petit peu sur Ezreal. Mais parce que je pense que c'est quand même le meilleur item def que je peux faire. Enfin, sinon, c'est Deadman Plate en fait. Donc. Je vais pas rentrer un item style. En fait, si je rentre cœur gelé, ça, c'est pointless parce que j'ai pas assez d'HP. Ah oui, il me faut des HP et de l'armure. Il faut la plus de tankiness possible. Lord Mail, c'est un peu whatever. Ça donne un peu plus d'armure, mais bon, c'est un peu whatever. Et Randoin me permet quand même d'avoir un petit peu moins de dégâts avec Rock Solid. Terminus, sinon, non, Terminus remplit vraiment pas l'intérêt que je veux pour un item défensif. Terminus m'apporte très peu de tankiness, et c'est de la tankiness que je pourrais pas stack parce que je vais me faire ulti par Vaille en fait. Donc j'aurais pas le temps d'auto-attaque en fait, je mets toujours une, deux automax. En fait, je veux survivre au go-in de Vaille en fait. En fait, mon but c'est de survivre au go-in de Vaille Kiana, c'est tout. Chilbo c'est naze, ouais. En fait Chilbo pareil, ça remplit pas la fonction que je veux. En fait je veux survivre au green de Kiana Vai encore une fois. Chilbo ça me fait pas survivre au green de Kiana Vai. Jacques Shaw oui. Jacques Shaw oui, Randouin oui. Et après le reste pas de fou. Le flash c'est pour la game d'après ou? Non non, c'est pour le moment où tu sortiras du silver, donc dans 2 ans je pense. En fait ça sert à rien d'user le flash sur ce fight là, le fight est perdu. Du coup si j'utilise mon flash c'est pointless parce que c'est un fight qui est déjà loose. C'est des ressources pour une situation où tu as déjà perdu et tu peux rien changer à l'outcome, c'est pointless. Là je suis sur un fight où j'ai à avoir mon flash. Potentiellement ça va être utile, peut-être que non, peut-être que oui. Mais là il y a des trucs à jouer. Cette semaine, cette only y a un Asher, win, y a la Solari win, Solari win, Solari win, Solari use win, un flash, Solari juste pour win. Use un flash pour survivre, ça sert un peu à rien.
Nice. Je pense qu'on va surtout jouer la soul et que Nar est dead et que j'ai 1500 gold. Je peux prendre la top wave, mais je vais juste push la wave sous tour et back. Hein. Bon, quoi qu'en vrai, on peut T3. Faut juste être prudent. Non. On va perdre la soul pour un ennemi B2 kill, c'est pas super worse. Oh le putain de cœur gelé de merde! C'est une dinguerie! Ça baise mon kiting ça! Ragnar va pas pouvoir clean up. Ah, il est dead. Ok, Nevermind, il a remis. Oh my bad! J'ai cancel genre deux autos. Insupportable. Ah j'aime pas trop ça. Ok j'aime bien. Ok GG. Putain, heureusement il a réussi à choper les deux mecs. Wasn't art, was it Master Pig? Ah, je run Rakan en temps normal, mais là, je pense que je vais m'en passer. Heureusement qu'il a réussi à choper Nunu et Smolder, enfin Nunu. Ezreal et Smolder sur le Q Nunu là. Pas son Q, mais. C'est quoi son Z? Son Z. Ouais, je vais être obligé de Nerfis, putain. Tant pis. Maître cochon, effectivement. Ok, bon. Faites les coups, cœur gelé, il faut que je fasse gaffe à ça. Hein. J'aurais pu clutch le fight topside et je les griffe à cause du cœur gelé. Hein. C'est un peu chiant.